Hey, Mr. DJ. Put your hands up in the air. I wanna dance with my baby. Put your hands up. Here we go. Eh bien, c'est nous de retour, tout neuf et prêt à entamer cette quatrième saison d'Électron Libre avec des papillons dans l'estomac, tant la rentrée s'annonce riche. Je vous l'avoue, nous espérons que vous serez encore plus nombreux cette année à avoir été sauvés comme nous, un jour ou une nuit, par un DJ. Et cette saison, bonne nouvelle, énorme nouvelle, vous aurez l'occasion au moins une fois par mois d'être sauvés par un DJ, puisque nous organiserons chaque mois un DJ set exclusif sur France Inter. La radio différente qui méritera donc cette année le qualificatif de plus grand dancefloor européen. Mais pour l'heure, c'est la rentrée des classes et c'est heureux que nous vous retrouvons avec l'un des plus grands activistes de l'histoire des musiques électroniques. De retour après une assez longue éclipse, Laurent O a sorti en plein été son nouvel album curieusement intitulé Back to the Roots. Retour aux racines, mais loin pourtant du hardcore, de la hard techno qui marquait son pédigré de pionnier des musiques électroniques. Laurent O revient pourtant aux racines, celles du commencement lorsqu'il s'agit de produire soi-même ses disques et de les promotionner à l'arrache, par exemple. Retour donc à une certaine forme de maquis, avec paradoxalement un album d'une maturité splendide, dont devraient s'inspirer toutes les jeunes pousses électroniques qui pensent que l'on peut faire œuvre en manipulant un logiciel pour faire danser dans les soirées de Monsieur Durand. Laurent O, designer, DJ et compositeur, fait sa rentrée sur notre estrade radiophonique avec nous sur France Inter. C'est encore l'heure de se dire bonsoir, c'est déjà l'heure de se dire bonjour. Sur la platine de France Inter, s'avance la sérénité selon Laurent O. A good solution to go in many different ways or not guilty is to be in full twice again and again though felt at all kind of late jealousy many times I felt like hitting something and I saw it on someone else than me jealousy. It's like being guilty. It's to be in talk twice. Again and again, no fun at all. Finally, no fun at all. Finally, no fun at all. Again and again, no fun at all. Finally. Finally. This is not a decision to go. Somewhere after all, there's no need to search for him, no need to wait. The best thing to do is to think about something else, and suddenly he'll come right to me. And hello, very romantic or not, Mr. Loverman. Mr. Loverman is always somewhere after all, there's no need to search for him, no need to wait. The best thing to do is to think about something else, and suddenly he'll come right to me. To go in many different ways. I'm not guilty. It's to be in full twice. Again and again, nothing at all. Finally, nothing at all. Finally, nothing at all. Finally, finally, finally. Never mind. Never mind. Never mind. This is not a good solution to go. Many different ways to be felt twice. Ain't it enough at all? Finally,
Bonjour, bonsoir Laurent Haut. Bonjour. Ça va bien ? Ça va bien et toi ? Je suis ravi de faire cette rentrée des classes sur France Inter dans Electron Libre avec toi, puisqu'on a terminé la saison fin juin l'année dernière avec un extrait de cet album qui venait de me parvenir dans ma boîte aux lettres. J'étais assez surpris d'ailleurs, il faut raconter la vérité. Tu m'as appelé, tu m'as dit ouais, t'as toujours le même numéro de téléphone, bien moi je viens de faire un disque et voilà, je l'envoie, je le file un petit peu à tous mes contacts et je me suis dit tiens, la volonté d'être toujours là mais à l'arrache quand même. Alors, Laurent. C'est à l'arrache effectivement. Ouais. Je recommence un petit peu tout depuis le début, disons en parlant de label, parce que j'ai quitté le label que j'avais il y a 4 ans et depuis 4 ans j'ai fait des petits projets par-ci par-là, mais voilà, ça faisait 4 ans que j'ai pas fait de vrai album. Ouais. Ça fait combien de temps que tu es immergé dans les musiques électroniques, Laurent Haut ? Alors, je pense que c'est depuis le début, ouais. Puisqu'avant l'électronique j'étais de l'industriel, ouais. et des morceaux de musique avec beaucoup de synthé, mais c'était pas encore répétitif, c'était pas encore du 4/4, mm-hmm. C'était pas encore avant la New Beat, ouais. Juste là, donc j'ai découvert la New Beat, puis les rêves, la techno, et puis toutes les sous-familles de techno. Les rêves dont tu vas être un des grands symboles, on va y revenir. La New Beat, morceau extrêmement important dans l'album, parce que c'est comme un clin d'œil, c'est aussi ça, le retour aux racines, c'est oui, de c'est rappeler ça. D'où on vient, c'est parce ça. Que ce qu'on entend actuellement lorsqu'on parle, c'est un des titres de l'album, c'est pas New Beat. Hein. Oui, c'est ça, en fait, c'est vrai que ça peut prêter à confusion, le Back to the Roots, qui pour certains pourrait dire hardcore, ouais. Mais en fait non, parce que c'est encore avant le hardcore. Avant le hardcore, mais j'ai quand même aimé de la techno pendant 3-4 ans, j'ai remixé pendant 3-4 ans, et puis juste avant il y avait donc l'Electro Bully Music, EBM, qui vient de Belgique et des pays du nord de l'Europe. Ouais. La New Beat, ouais. Évidemment, qui est c'est la techno, hein, et j'adore ce son, j'adore, et puis c'est que des bons souvenirs, c'était une découverte, il y avait une mode qu'elle avait, où il y avait les smileys partout, ouais. Ouais. C'était drôle comme époque. Est-ce que c'était le bon temps, la New Beat, ou est-ce qu'il ne faut pas regretter ? Est-ce qu'il ne faut pas dire que c'était mieux avant, Laurent Haut ? Alors, je dirais le bon temps, quand on dit le bon temps, ça ne veut pas dire regretter. Mm-hmm. On peut très bien dire, c'est nostalgique. Oui, c'était le bon temps, mais c'était un bon temps, je dirais. Ouais. Pourquoi ? Parce que déjà, c'était nouveau. Moi, j'adore quand c'est nouveau. C'est une découverte. C'était complètement différent du rock. C'était vraiment une autre façon de faire de la musique, de danser, de l'écouter, de la jouer. Ouais. Ce morceau, par exemple, New Beat, tu l'as composé rapidement ou tu l'avais dans tes tiroirs et tu l'as ressorti pour faire une sorte de panoramique sur ton parcours ? Non, c'est un morceau assez récent, en fait. Ouais. Assez récent. Cet album-là regroupe quand même. Donc, il y a 15 titres. Ouais, 15 titres. C'est des morceaux que j'ai fait depuis 4 ans, même 5 ans. C'est le résumé de la fin d'une histoire, et ouais. On l'espère, du commencement d'une autre histoire qui va se dérouler ce soir en direct sur France Inter, parce qu'on peut dire que tu as un moment un peu difficile de ta vie, mais France Inter, Electron Libre, on porte bonheur. Et ce soir, c'est vraiment un recommencement. Si je te dis Cheap Trick, qu'est-ce que tu dis, par exemple ? Cheap Trick, ouais. Denis de Micropoint, ouais. Et puis Feriel qui chante. Ouais. Denis de Micropoint, on peut préciser un peu qui est. Ah oui, on peut en préciser, moi je peux en parler pendant des heures, Denis. Alors peut-être pas des heures, mais. Micropoint, c'est le groupe hardcore français. Ouais. Je pense qu'il est plus connu, c'est eux qui étaient là aussi au tout début, des amis depuis très longtemps. Libre, voilà, nous revenons à nos fondamentaux, nous aimons comme ça le choc des cultures, mais finalement, Laurent Haut, Mozart, c'était pas le compositeur le plus hardcore de son temps ? Je crois qu'il était relativement barré quand même. Ouais. Et quand on t'écoute, qu'on voit ton parcours, est-ce qu'on peut imaginer que tu peux écouter le Requiem de Mozart, par exemple ? Bah oui, j'espère bien, ouais. Parce que déjà j'écoute beaucoup de musique différente, ouais. Et puis j'ai une formation classique aussi, donc j'ai écouté quand j'étais petit, j'ai joué du piano classique, ouais. Très longtemps, et puis c'est des choses qui sont tellement merveilleuses qu'évidemment que, il y a des styles que j'aime pas, hein, ouais. J'écoute pas beaucoup, mais bon, ouais, surtout les Requiem. Est-ce que cette musique, qu'est-ce qu'elle provoque chez toi ? C'est assez triste quand même, hein. Bon, les Requiem, ouais. En général. J'aime beaucoup celui de Forêt aussi. Ouais. Celui-là, il me donne la chiale immédiatement. Hein. Oui. Ouais, Forêt, oui. Et bah voilà, en fait, c'est, les tons mineurs sont souvent plus jolis. Ouais. Euh,
je sais pas, c'est magnifique, quoi. Ouais. Est-ce que ça peut inspirer pour composer de la musique électronique? Est-ce qu'il t'est arrivé d'écouter Mozart ou Fauré avant de composer? Non, quand j'écoute, bon, c'est rare quand même. Hein. Ouais. Mais quand j'en écoute, c'est en pleine journée comme ça à la maison, pas au studio. D'ailleurs au studio, parce que c'est séparé. Mmh. Studio, j'ai peu de morceaux extérieurs en fait. Ouais. Donc c'est plutôt à la maison qu'il y a les CD, etc. En fait, quand je vais au studio, je bosse la nuit. Ouais, toujours. Toujours. Vers 7h-ci à peu près. Vers minuit et quart, minuit et demi. Un peu avant, j'y vais vers 20h. Ouais. De 20h jusqu'à 6-7h du matin. Ouais. Donc toute la nuit. Je me fais une vraie journée de nuit. Et donc la musique, donc, je l'écoute la journée. Et puis après, il y a un petit temps mort. J'ai le transport, manger tout ça. Et donc ça me fait cogiter, mais c'est pas tout de suite après, c'est pas en pleine séance de studio que j'écouterai d'autres musiques comme ça, ou pop, ou. Alors, est-ce qu'on peut dire aussi, on parlait de musique classique, là, de musique sacrée, est-ce qu'il y a un lien entre les mathématiques et la musique? Ah oui, il y a un sacré lien. Quel est-il en haut? La musique qu'on fait là, avec les amis, déjà il y a l'ordinateur de la base, et puis ce sac d'un ordinateur, c'est assez, il faut être assez carré quand même, ouais. Il faut être assez logique. Et puis si on veut aller très vite, il faut bien ranger les éléments, bien nommer les éléments. C'est vraiment un travail de. Comment on pourrait dire, pas de secrétaire, mais il faut tout bien dans les dossiers, à la bonne place. Faut être rigoureux. Super rigoureux, ouais. Faut être logique. Ouais. Donc c'est pas vraiment de mathématiques, ouais. Hein, mais ça s'approche. Ouais. Tu as une formation, toi? Tu as fait maths sup et maths sup? Ouais, j'ai fait plein de maths, ouais. J'adorais les maths, en fait, quand j'étais jeune. Donc 14 heures de maths par semaine. Pourquoi tu adorais les maths? je trouve ça assez beau. Assez beau. Parce que ce que j'aime bien aussi, c'est le côté. Il y a plusieurs façons de faire, mais il y a quand même une ligne directrice, un résultat qui est bon. Mais de démontrer. C'est la logique du résultat ou la logique de la démonstration? Oh, c'est les deux. Ouais. Les deux. Et ensuite, en fait, c'est plus du tout comme jusqu'à la terminale. Ça devient vachement philosophique. Ça devient de l'idée. C'est presque des dissertations pour savoir, pour expliquer, etc. Donc c'est assez incroyable. C'est pas du tout du calcul ou enfin il y a un peu de ça, mais c'est beaucoup plus profond. On va jusqu'aux racines sur qu'est-ce que c'est que ça, comment on y arrive, pourquoi on prend ces règles, ces définitions et reprendre tout depuis le début. C'est vraiment incroyable. Mathsup, Mathspé, diplômé de l'École nationale de création industrielle. Les ateliers. Où tu as fait un mémoire, où tu as fait une analyse, pour ton mémoire, tu as fait une analyse sociologique de la rave. Oui. C'est incroyable. Hein. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'après Mathsup, j'en ai un peu marre. Et je suis tombé par hasard sur cette école, les ateliers, qui est donc en principe, c'est après le bac. Bon, j'ai fait quelques années après. Et surprise, donc, je passe le concours comme ça, je l'ai, alors qu'on était 700, il y avait 30 places. Donc, déjà, c'est un mystère. Et puis, juste en rentrant à l'école, je découvre les rêves. Donc, en fait, j'ai passé toute ma scolarité à sortir tous les week-ends, à faire la fête tous les week-ends. Est-ce que tu peux nous expliquer sur le Requiem de Mozart, quelle était la substantifique moelle de ton analyse sociologique des rêves en haut? Qu'est-ce qu'il en ressortait? Ah, c'était très utopique. Du bonheur, de la technologie. C'est parce que je suis un fan de technologie. Et pour moi, investir un hangar, à l'époque c'était ça, c'est pas dans un club, on est dans un hangar. Et on mettait une tonne de matos avec des lumières incroyables, un son incroyable. En fait, tout était technologique high-tech. Et on faisait la fête high-tech, et le lundi on bossait. Ouais. C'était pas du tout faire la fête et rien d'autre. C'était faire la fête, c'est un défouloir, un exutoire. Et voilà. Et la semaine, on travaille comme tout le monde. Et mon mémoire, c'est ça. C'était une étude sociologique. Hein. J'avais mon directeur, c'était un sociologue. Ouais. Voilà. Laurent Haut, dis-nous ce que tu es en écoutant peut-être sur la platine de France Inter ce que tu es aussi. Laurent Haut, notre invité cette nuit sur France Inter, qui regarde partout, qui dit on est bien et qui dit en écoutant Unfinished Sympathy, ça me donne la chair de poule. Ça sert à ça la musique, à donner la chair de poule? Bah, disons que. Oui, pas toujours, sinon on aurait froid, on aurait des frissons partout. Non, mais c'est un signe en fait. Hein. Ouais. Quand on est. C'est tellement magique en plus la musique. Hein. On ferme les yeux, on regarde quelque part et c'est toujours là. Et quand on ferme les yeux, c'est encore plus là. Quand on n'y voit rien et que la musique est forte, c'est encore plus là. Et puis quand on a les frissons, bah, c'est pas le but, mais quand ça fait ça, c'est-à-dire que le morceau est vraiment. Il est vraiment top. Qu'est-ce qui t'a conduit finalement à faire de la musique et à faire de ta vie une musique permanente finalement, puisque avec les études que tu as opérées, avec le diplôme que tu aurais pu faire d'autres choses. Qu'est-ce qui fait que tu es entré en musique comme on entre en religion presque, Laurent?
Je suis une famille de musiciens. Mon père est un excellent musicien qui jouait de tout, qui était très très fort. Donc je pense qu'il doit y avoir des gènes, un peu. Ma grand-mère aussi était musicienne. Mon grand-oncle est un des musicologues les plus connus du monde, musique sud-asiatique. Ouais. Il joue je sais pas combien d'instruments, il parle je sais pas combien de langues. Enfin, on est une famille de musiciens. Ouais. Voilà. Et ça te sert à communiquer aussi, un peu, à dire des choses? Ah forcément, parce que la musique, je la fais pour moi, pour me faire plaisir, mais aussi pour... Je sais pas la part, hein, mais c'est aussi important pour les autres. C'est pour, et cette musique-là, qui à l'époque, moi j'ai commencé avec la musique instrumentale, parce que je voulais pas qu'il y ait de barrière de la langue. Ça me dérangeait en fait la voix. Ouais. Là j'ai complètement changé. Ouais, puisqu'il y a de la voix. Il y a de la voix partout. Ouais. Donc en fait c'est un autre message. Mais voilà, j'en ai fait plein des morceaux où ça parlait pas. Donc il y avait un langage universel. Souvenir sur la platine de France Inter avec Laurent Roux encore. Madonna, sur France Inter dans Électron Libre, Madonna qui sera très prochainement au Stade de France, qui a 50 ans. Est-ce que c'est un personnage inspirant, Madonna? Est-ce que le musicien que tu es pourrait un jour répondre à la sollicitation de la Dame de Fer? Ce serait terrible. Ah ouais, ce serait top. Hein. Je sais pas faire des trucs commerciaux, hein, donc je pense que ce serait une totale catastrophe pour les ventes. Mais... Oui et non, parce que ça dépend ce qu'on entend par commercial, mais non, ce qu'on a entendu juste auparavant, Charles Collins, qui faisait partie de cet album qui avait permis notre rencontre. Ouais, c'est vrai que ça c'est accessible. C'était accessible, ouais. Ce sont des chansons avec des textures magnifiques, oui, mais avec en fait, une mélodie. Je fais un morceau comme ça tous les 2-3 ans. Vraiment décidé, donc c'est j'aimerais bien savoir en faire plus. J'aimerais bien faire un tube, tu vois, un vrai tube, vrai. Mais je sais pas faire. Et dès que je fais des choses un peu faciles, un peu justement facile à écouter, tout ça, j'arrête parce que je me dis non, c'est ça va pas du tout. Ouais. En même temps, quand Mirouès qui a composé pour Madonna, Music, c'était pas formaté à l'époque. Écoute, non, mais il est devenu, mais... Il est fort, ouais. Il est super bon. Enfin, t'as pas vraiment répondu à la question. En quoi Madonna pourrait inspirer Laurent Roux? Et là, tous les fans de Hard Tech doivent halluciner en écoutant leur radio. Bah écoute, déjà, moi, quand j'étais jeune, j'ai acheté le Maxi Holidays, j'avais 13 ans, parce qu'à l'époque, j'étais un peu DJ, et j'avais déjà des platines, des mixages, tout ça. Et c'est un morceau qui m'a influencé, parce que c'est là que j'ai commencé à sortir en club, à 13 ans. Ouais. Donc, il y avait ça. 13 ans, tu sortais en club. J'ai commencé à 13 ans et demi, pendant l'été. Ouais, bien raisonné. Dans la tranche de Sarkozy, ça ne serait plus possible. On te ramènerait à la maison et on te ficherait. Donc en fait ça me rappelle cette époque. Parce que ça me rappelle Madonna, c'est une œuvre entière, hein. C'est pas des disques isolés comme ça. Donc oui, ça m'inspire beaucoup. Alors autre son assez étonnant quand on partage une conversation avec Laurent Roux. Et pourtant, écoutez bien, il pourrait avoir envie de travailler avec les gens qui te connaissent un peu, qui pensent que tu as passé ta jeunesse l'oreille collée sur des baffes avec des punks à chiens. On est loin de tout ça quand même. En quoi ça te touche ça aussi? Bah disons, alors déjà cette production que je trouve vraiment fabuleuse, il y a ce côté son énorme, arrangement fabuleux qui font déjà que le morceau il est on se l'appréhende comme ça. Et puis j'aime bien les choses aussi dans le tempo comme ça, les voix féminines, j'aime bien aussi quoi d'autre, pourquoi j'aime bien Kiss? Pourquoi j'aime bien? Mais est-ce que ça parle dans la R&B, c'est une des rares que j'aime bien. Ouais. S'il y a Justin Timberlake aussi, il n'y en a pas beaucoup en fait. Alors lorsqu'on parle de R&B, on parle souvent de rigidité aussi dans la structure et dans le son. Et on disait aussi rigidité dans le hardcore. Et tu étais un des premiers à dire, détrompez-vous, le hardcore ne se manifeste pas par sa rigidité. J'ai dit ça? Ouais, tu as dit ça au magazine Trax il y a plus d'une dizaine d'années. Oui, parce qu'en fait cette musique-là qui est donc très formatée, hein, puisqu'on a un rythme, donc le bass drum qu'on appelle ça, le pied, qui est donc qui bat la mesure avec sans oscillation, c'est toujours le même rythme. Il y a beaucoup de choses qui sont donc très formatées comme ça. Et puis ensuite par-dessus, on a tout ce qui est dans le hardcore que j'aimais bien, ces sons qui sont où il n'y a pas vraiment de règles, il n'y a pas de loi, on fait ce qu'on veut. C'est ça, ouais. Et voilà, c'est pour ça que je trouve qu'il y a une grande liberté de faire de la musique avec donc. Parce que la musique, de toute façon, c'est quand même toujours, en général, un rythme, une base, et puis ensuite on fait ce qu'on veut. Et là, en plus, on n'a pas besoin de faire une mélodie, on faisait ce qu'on voulait. Quoi. Alors, il y a autre chose qui était incroyable quand tu as démarré, c'est que tu mixais déjà 20 BPM au-dessus des autres à peu près. Je
c'est très, très pressé. Ouais, mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que tu avais besoin d'être à 140 au lieu d'être à 120? Qu'est-ce qui faisait que ta pulsation à toi était supérieure à celle des autres? Ça vient de ton caractère ou c'était pour solliciter une autre philosophie de composition? Je voulais rien solliciter, hein, c'était naturel et ça sortait comme ça. Pourquoi c'était un peu plus rapide? Parce qu'à l'époque, j'en rappelle très bien, en 93, avant le hardcore, 92, les morceaux étaient à 120 BPM et je trouvais que c'était pas assez rapide, quoi, tout simplement. Donc déjà, il y avait un problème de platine, parce que les platines qu'on utilisait déjà à l'époque, les Technics, ont un bouton qui s'arrête très vite, hein, il y a 8%, donc ça n'allait pas. Et moi, j'avais acheté des platines, c'était fabuleuse, des Inaccord IST 204, et ces platines-là pouvaient aller de moins 45 à plus 78, sans trou. Donc je pouvais mixer à la vitesse que je voulais. Et donc j'ai pris en soirée, parce que comme ça, il n'y avait pas de problème de vitesse, je passais tout édite à la vitesse que je voulais, et donc plus rapidement, parce que moi, j'aime bien quand ça avance, quoi, quand on court. Ouais. Qu'est-ce qui fait que t'as ralenti un peu le tempo aujourd'hui? Plus globalement, hein, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai que globalement, hein. Mais je suis pas encore très très lent. C'est vrai qu'en mix, déjà, c'est 130, 132 ou même 128. Ah oui, quand même. Quand même. Quand même. quand même. Énervé le garçon. Oui, enfin, ça dépend des morceaux. T'as des morceaux qui à 140 paraissent assez lents et d'autres à 125 paraissent très rapides, hein. Ça dépend de comment est fait le morceau, ce qu'il y a à l'intérieur. Écoute, je pense que je me fais un peu vieux, donc, ça, je crois que ça fait. Tout simplement. Ouais. Ouais. Plus envie que ce soit, que ça détale. Qu'est-ce que tu dirais, plus posé. Qu'est-ce que tu dirais sur cet album qui nous réunit ce soir sur France Inter pour notre rentrée des classes? C'est effectivement le résumé de ces 4 dernières années ou c'est déjà la promesse d'un futur réjouissant avec l'envie d'aller encore plus loin dans les mélodies, dans le son? Écoute, c'est vrai que là j'avais besoin de sortir, c'est vital, hein, de sortir cet album. C'est vrai? Ouais, parce que tu dis ça en le tenant d'ailleurs dans les mains. Tu sais, avant je sortais régulièrement des disques, et beaucoup, très souvent comme ça, des fois en 2 mois je sortais 3 disques, bon pas des albums, hein, mais je sortais beaucoup comme ça. Et donc là, sous des noms différents parfois. Oui, alors, j'ai plein de pseudos plus ou moins ridicules. Donc cet album vital. Et cet album là est vital, et puis c'est 4 ans de musique, et là j'en ai un de presque prêt, là, un nouveau. Mais en fait, je pense pas que je vais le sortir tout de suite. Je vais attendre un peu, un an ou deux. Et j'aime bien faire un disque complètement pop électro, avec très peu de machines électroniques. Voilà, ça sera un de mes trucs dans les années qui viennent. Pour l'instant, Laurent Haut, You Want Me, ça te va? Laurent Haut, quelle est la santé des musiques électroniques aujourd'hui? Dans une semaine, il y a la Technoparade. Si je ne m'abuse, tu as été au départ aussi immergé dans, dans cette aventure. Ah bah oui. Hein? à l'époque, j'avais un label. Ouais. On a fait deux. Le label, c'était UWE. Voilà. Hein, que tu avais créé d'ailleurs. Hein. Oui. Et puis à fond, il y avait Epithète. Epithète, avant, bien sûr. Ouais. Et d'ailleurs, on avait fait la Technoparade avec Micropoint et tout. C'est ça. Tu avais même composé l'hyme de la Technoparade. Ouais, hein. J'ai fait un remix. Stéphane Young avait fait l'hymne. Enfin, une année. Hein. Ouais. Et quand tu regardes ça avec le recul, ça sert encore à quelque chose de parader tout en techno à l'entrée de septembre ou c'est juste une fête commerciale? Je pense que ça vaut le coup. Ça vaut toujours le coup de s'affirmer. Surtout que ça va tellement mal, la musique électronique en ce moment. Il n'y a plus de soirée, il n'y a plus beaucoup de rêves, il n'y a plus. Ouais, il faut. Mais il y a beaucoup de disques formidables, en revanche. Ah oui, ça, il y a une production incroyable. Les éditeurs et auditrices d'Electron Libre vont en être témoins cette année, notamment la semaine prochaine, puisque c'est le retour de nos chroniqueurs qui vont nous faire un peu la revue de la rentrée. C'est vrai qu'il y a plein de disques, on a du mal à choisir. Et, et effectivement, on a envie de dire aussi que ton album sort là, sur toutes les plateformes numérique. Qu'est-ce qu'on peut dire aux mômes qui te connaissent pas mais qui ont envie de te connaître ou qui connaissent ton nom parce que c'est un peu une légende au panthéon des musiques électroniques? Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour ne pas télécharger illégalement ton album? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour leur faire comprendre? Et c'est vital pour toi. C'est vital parce que c'est un peu comme ça que je vis. Ça me fait manger. Et puis j'ai des enfants, il faut les faire manger aussi. Et puis ils grandissent vite, il faut acheter des vêtements. Ça se télécharge pas gratuitement, les vêtements, et ni les chaussures, et ni le cartable, etc. Et au-delà de cet argument, évidemment économique de premier ordre, en quoi la musique ne peut pas circuler aussi librement? Mais ouais. C'est aussi un travail. C'est-à-dire que il y a des gens qui font de la musique avec un ordinateur. Moi, j'ai un studio avec plein de machines, plein de vieilles machines qui coûtent juste une fortune. Et pour pouvoir utiliser ces machines pour faire du son, il faut bien l'acheter. Et quand ça coûte excessivement cher, on peut pas filer la musique gratuitement comme ça. Mmh. Est-ce que tu restes malgré tout optimiste?
Oui, je pense. Oui. Parce que je pense qu'on va trouver un système où parce qu'on est en plein flottement là. Internet c'est relativement nouveau. Donc d'un seul coup tout ça nous tombe sur le coin de la figure. Et puis on fait tout dans n'importe quoi dans tous les sens. Il n'y a pas vraiment de législation où c'est mal fait. Et voilà, je pense que dans quelques années ça va trouver, ça sera plus mature. Hein, et puis il y aura une façon de que ce soit justement rémunéré, enfin, de façon juste, je veux dire. Mmh. Donc on va y arriver. Il y a assez longtemps aussi, peut-être une dizaine d'années, tu disais que musique électronique et live n'allaient pas forcément ensemble. Est-ce que tu as un peu changé? Oui. J'ai carrément changé. C'est bien, hein, le privilège de la maturité, c'est pouvoir dire qu'on a changé, qu'on n'est pas resté. Oui, bien sûr. Surtout parce qu'il y a des logiciels maintenant qui permettent de faire du live, qui sont extraordinaires. Et en l'occurrence, Live de Ableton. Ouais. Qui est le logiciel pour faire du live où ça synchronise tout seul, c'est fabuleux. C'est, donc avec ça et puis d'autres machines, hein, mais ça déjà, ça permet de faire de prestations en live, donc en direct. En tout cas, merci d'être venu. Le temps de la cuisson est venu. Tu reconnais ce qui passe pendant que nous parlons ? Ça aussi, c'était un projet un peu ovniesque, non ? C'est que des projets bizarres. C'est une amie d'école, des ateliers, là, ouais. Asia Quétin. D'ailleurs, on a partagé les bureaux et puis peut-être au tout début. Donc, elle a une boîte de design qui s'appelle Pas Design. Et elle a eu l'idée de faire un minuteur musical. Donc, 10 morceaux avec 10 durées différentes. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes pour chacun des morceaux. Et on se sert donc pour écouter et chronométrer le temps de cuisson, on écoute le morceau qui correspond donc au temps de cuisson qu'on désire. Alors cette émission en tout cas aura servi à promotionner la sortie sur toutes les plateformes numériques de ton album, mais aussi à montrer à tous ces gens qui te connaissent mais pas tant que ça finalement que tu fais don d'éclectisme absolu. Ouais. C'est notre cahier des charges dans cette émission. Merci donc, beaucoup pour l'accueil. Tu peux revenir quand tu veux. C'est toi qui as choisi le dernier morceau. Oui, j'ai pu choisir l'émission. Un morceau. Ouais, bah oui. My Dear. Ouais. Voilà, My Dear. Parce que tu le trouves radiophonique. Oui. Et puis c'est le premier morceau où je chante aussi. Enfin, ouais, je chante. C'est important ça. C'est le premier de toute ma carrière, donc c'est ouais, assez exceptionnel. Et d'ailleurs, je vais continuer à essayer comme ça, à parler ou à poser la voix. Merci Laurent, et à Merci. Bientôt. Bonne route. Bonne nuit. Ciao. S'il vous plaît, déjà, un autre whisky.